Et ce mot-là a résonné dans ma tête pendant plusieurs semaines. Elle me dit « t'as un haut potentiel intellectuel ». Quand ton corps il dit stop, c'est violent. Ça me tenait à cœur de te mettre en avant. Parce que dès que je rencontre quelqu'un, je lui parle de toi. Je pense que je t'ai envoyé peut-être une dizaine de personnes avec qui parler à chaque fois. Et en fait, ouais, toi, t'es une personne qui ouvre des portes, qui casse des barrières, qui brise des plafonds de verre. Aujourd'hui, t'es à la tête de combien d'une trentaine, 34 startups, c'est ça? 33 entités, 33 pas forcément startups. D'accord. Beaucoup opérateurs économiques. Ok. La différence, vraiment, j'explique, c'est qu'un opérateur économique, il est sur un modèle existant. Donc, aujourd'hui, on n'invente rien sur les opérateurs économiques. Par contre, au niveau des startups, ouais, là, en fait, on cherche un modèle économique, on cherche à disrupter, on cherche à amener de la valeur différente. Et les startups, c'est beaucoup plus difficile parce que faut prouver. Faut trouver le bon modèle, le bon équilibre, les bons interlocuteurs, les bonnes personnes. Et là, ça fonctionne ou pas. Ok, ouais. Donc, il y a plus de prise de risque. Ouais, ok. Donc, 33 entités. Est-ce qu'on peut parler de chiffres, peut-être, en termes de personnes, de CA, de... En termes de d'écosystème, je pourrais parler d'écosystème. Ouais. On est sur tout chiffre d'affaires confondu aux alentours de 25 millions. Maintenant, au niveau de personnes dans l'écosystème, on va dire à peu près 450 personnes. Ah ouais, ok. Tout structure confondue, activité support et consultant. Et de personnes dans l'écosystème, on va parler d'un écosystème de 1300, 1200 personnes parce qu'on a créé une communauté qui est active. Cette communauté, en fait, on a des personnes qui ont fait des formations avec nous. Oh. Et ces personnes-là, en fait, on tient à vraiment maintenir l'employabilité, à faire en sorte de pouvoir les suivre, à mettre en place un certain nombre de choses. Dans ces personnes-là, il y a aussi des futurs entrepreneurs. Et on tient à pouvoir les accompagner quand on peut sur des projets disruptifs, sur des projets impactants. Parce qu'en fait, on parle souvent d'argent, mais on sait très bien que quand on entreprend, ce n'est pas forcément pour l'argent. Et moi, c'est quelque chose que je défends énormément. C'est que oui, générer des revenus, c'est important. Parce qu'il va falloir créer de la valeur, des emplois et même se payer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a d'autres choses à défendre et d'autres valeurs à défendre. Ouais, totalement. Totalement. Et moi, je voulais découper cet échange en trois parties. Il y a l'histoire, ton histoire, l'ambition et ta mission de vie. Parce que je sais que tu as une mission qui est plus grande que ce que tu fais. Je ne sais pas si tu pourras nous la partager. Mais sur ton histoire déjà, est-ce que tu peux résumer un peu qui tu es, d'où tu viens J'ai mes oncles qui étaient dans le domaine de l'import-export de textiles, entre l'Asie et l'Afrique. Qui eux, j'ai découvert un système, c'est qu'ils prenaient mes neveux, enfin leurs neveux, mes cousins, ils les formaient et ils les gardaient avec eux et ils leur apprenaient le métier. J'en ai bénéficié également parce que moi, en fait, aux alentours de 2002-2003, je me suis rendu sur place, je voulais comprendre comment ça fonctionnait exactement. Donc là, à partir de ce moment-là, je suis resté 14 mois avec Baba Sako, qui est mon oncle côté maternel, et j'ai tout appris. J'ai vu leur façon de faire, qui était bienveillante. Et quand tu as entre 18 et 24 ans et tu te rends compte que ta famille est à la tête d'un empire comme celui-ci, qui est un empire financier, mais également un empire humain, composé de 20 à 30 personnes, moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'imaginais même pas, et qui générait à l'époque plusieurs centaines de millions de francs de CFA, de chiffre d'affaires. Bon, à l'échelle aujourd'hui, ça représenterait, je sais pas, moi, peut-être 300, 400, 500 000 euros. Mais c'était énorme, moi, à travers mes yeux. Toi, tu sortais d'où ? Tu sortais de l'école ? Enfin, exactement. À quel moment de... Exactement. En fait, j'avais fait un BTS technico-commercial, okay. Option génie mécanique et électrotechnique. J'avais commencé par faire une licence pro commerce biens et services, que j'avais arrêté. Et là, j'ai proposé à mes oncles de venir les renforcer au niveau de la direction des achats, okay. Pour pouvoir centraliser toutes leurs dépenses. Parce que je me rendais compte que y avait pas mal de choses. Il y avait des oncles qui achetaient du textile, mais plutôt... on va dire plus basket, d'autres plus pantalon, mais rien n'était mutualisé. Donc des dépenses trop importantes, et je voulais mutualiser, leur faire des économies. Okay. C'est un pari que j'ai remporté, j'ai réussi à faire des économies sur pas mal d'opérations. Mais après, surtout en fait, moi je pensais, avec mon humilité à la française, leur apprendre des choses. C'est toi qui es venu apprendre. C'est moi qui est venu apprendre. Ah. C'est moi qui ai appris plus de choses que moi ce que j'aurais appris. Même si jamais je suis arrivé avec une méthodologie, avec mes fichiers Excel,
J'ai appris énormément de ce passage-là, surtout côté humain. Après, il faut du temps. Je pense qu'entre le moment où on apprend des choses et le moment où on est capable de les conscientiser, les déployer, les mettre en place, je pense qu'il faut un peu de temps, il faut un peu d'expérience de vie. C'est ce qui s'est passé. Par la suite, je rentre en France, je vais travailler pour un travail alimentaire, donc je rentre chez Free en tant que conseiller multimédia. Très belle expérience parce que c'était à l'époque, ou peut-être encore aujourd'hui, grâce à Xavier Niez et ce qu'il a impulsé, une boîte tech. Même si on était au niveau conseil multimédia, c'est-à-dire on peut reprendre le téléphone en tant qu'opérateur chez Free, il y avait cette notion-là où en fait on avait la possibilité de pouvoir évoluer, mais très rapidement. Moi je suis passé ensuite back-office technique, ensuite back-office itinérant, et après je suis passé technicien itinérant. Et c'est là où il y a un épisode hyper important dans ton parcours, c'est le où tu as conscientisé ton plein potentiel en fait. Je crois que tu fais un test Quelques années après. C'est avant ou après ? C'est après. C'est après, ok, d'accord. Après, dans des circonstances particulières que je raconterai un jour, je suis amené à faire un test. Okay. Un test de psychométrie. Et la personne me fait faire ce test-là et trouve 134. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais pour rigoler, je dis d'accord, 134, ça veut dire que je suis un mec intelligent. Et là, elle me dit tu as un potentiel, oui. Aujourd'hui, tu as un haut potentiel intellectuel. Je dis donc, je peux faire tout ce que je veux. Elle me dit, ce qui se passe, c'est que tu as une capacité de traitement de l'information qui est différente. Et ce mot-là a résonné dans ma tête pendant plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines. Parce que plutôt que de me dire, tu es intelligent, quelque chose qu'on pourrait s'imaginer d'un HPI, elle m'a dit, tu as une capacité de traitement de l'information. Donc, en plus, l'intelligence, c'est pas palpable, tu sais pas. C'est quoi être intelligent, au final ? Alors que traitement de l'information, là, tu sais que... Ok, peut-être si je me renseigne sur un certain sujet, etc., je vais pouvoir... J'ai commencé par la première des choses. Définir ce que c'est qu'une information. Et après, définir ce que c'est qu'un traitement. Et ensuite, on s'est revu à plusieurs reprises. Je lui ai dit, mais comment faire pour exploiter cette capacité de traitement d'information ? Et là, il fallait acquérir de l'information. Parce que forcément... J'avais pas acquis assez d'informations pour pouvoir les relier et les croiser. Donc là, je me suis mis à me dire, à partir de maintenant, tu vas te former. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu vas lire, tu vas apprendre. Et c'est un chemin initiatique que j'ai pris, c'est de me dire, en fait, la connaissance est illimitée. Et on va aller la chercher. Et là, j'ai décidé d'aller chercher l'information. Tout le temps. Et tu penses à ce moment-là où ton ambition, elle naît, où elle se crée, où tu te dis, où elle était déjà là et... L'ambition était déjà là. Ok. Très jeune, l'ambition est arrivée, j'avais à peine 10-11 ans, quand justement je rencontre mon oncle, la première fois, où ma mère me dit il est commerçant. Je dis un commerçant, qu'est-ce que c'est ? Je vois à l'époque une personne arriver en taxi. Waouh, taxi, il arrive en taxi, il a une mallette à la main, il est habillé en costume. Tous les clichés, tous les préjugés, tous les clichés qui font que quand tu habites en cité et que tu vois quelqu'un arriver comme ça, tu dis waouh, c'est quelqu'un. Et puis l'élément déclencheur, c'est quand je rentre dans la chambre par inadvertance et je vois compter des billets avec une mallette. En tout cas, je me dis, c'est ça un commerçant. Aujourd'hui, on dirait entrepreneur. Mais pour moi, le commerçant, c'était ça. Okay. Et donc après, il a fallu que, forcément, la titiller ma curiosité. Donc j'appelais souvent et je passais des heures au téléphone avec lui. Du téléphone, là, avec le téléphone à cadran, là. Pour essayer justement de comprendre ce qu'il fait, comment il le faisait. Il m'inspirait énormément. Je pense que l'ambition, elle arrive très jeune. Elle arrive à ce moment-là. Je voulais faire de grandes choses, mais je ne savais pas comment. Je n'avais pas les outils, je n'avais pas les méthodes. Je ne savais même pas comment, mais j'ai toujours voulu faire de grandes choses. Et après, avec le temps. Je pense que c'est une question de temps. Vraiment, entre le moment où j'ai été faire une immersion avec lui, où je menais un chemin, où savoir ce que je voulais faire, parce que c'est quand je suis rentré chez Free que j'ai commencé à me passionner pour la tech. Et après, je me suis dit, plutôt que d'être au bout de la chaîne de la tech, en tant que conseiller multimédia, je vais être acteur. Donc là, j'ai fait une reconversion pour devenir concepteur de développement informatique. J'ai eu la chance de travailler chez un éditeur de logiciels qui est également une ESN. Ensuite, ça ne m'allait pas, il fallait que j'aille plus loin. Donc j'ai passé un diplôme d'ingénieur en architecture et intégration des systèmes logiciels en cours du soir au CNAM. Très bien. Là j'étais entre parenthèses reconnu, mais ça ne m'allait pas. Donc après j'ai créé une première boîte, une deuxième. Et je me suis dit, il faut que tu continues.
J'ai passé un exécutif MBA avec Epita, un double exécutif. Pareil, je me suis dit, c'est pas assez. Et j'ai toujours besoin de reculer, de reculer les échéances, de me dire, ce que tu as fait, c'est bien, mais c'est peut-être qu'une étape. Et en fait, jusqu'à arriver à une réflexion. Pourquoi je le fais ? Le fameux « why ». Pourquoi j'ai ce besoin toujours de vouloir aller plus loin ? Si je faisais pour moi, je pense que je me serais arrêté. Mais je pense que inconsciemment, je le fais parce que j'ai vécu des choses que je ne veux pas que les autres reproduisent. Et c'est ça qui est plus fort. Je pense que quand on est... Malheureusement, je suis un hypersensible. Enfin, malheureusement, oui, heureusement, je suis un hypersensible. Je suis touché par la vie des gens. Je suis touché par ce que j'ai vécu. Et même si je ne suis pas né à Soweto, hein, l'île de France, voilà, je ne suis pas né à Soweto. Mais je me dis que j'aurais pu avoir des axes différents. J'aurais pu prendre des chemins différents. Et il y a un mot qui est important, c'est le mot dignité. Pourquoi c'est un mot qui est important ? C'est que mes parents étaient dignes. Mes parents sont dignes. Et des fois, en fait, quand on manque de dignité, c'est pas un souhait. C'est les circonstances qui font que... Mon club d'investisseurs, c'est mes consultants, moi. Chaud. Bah oui, bah oui. On a fait... Le but, c'était justement, en fait, d'améliorer la rémunération des consultants, ce qui a été fait. Ensuite, ça a été d'investir leur richesse, enfin la richesse créée. Bah, avant ça, c'est faire un organisme de formation qui permette à des jeunes de la diversité ou autres de venir apprendre des métiers de la tech, les faire bosser. Et dans ma communauté, en vrai, aujourd'hui, on a la communauté Café Crème, il y a 1700 personnes, dont 450-500 personnes qui bossent avec nous, qui ont des revenus qui sont supérieurs à 3900 euros. Et quand il y a un projet, les gars, tenez, mon track record, c'est Namix. Et puis d'autres projets que j'ai menés. Ah oui, c'est eux, du coup, c'est en un mix aussi les... Ouais, ok, parce que t'en parles avec Tanguy, t'as dit, ils avaient combien 60, quelque chose comme ça, investisseurs. Investisseurs, ouais. Pour un total de 1,4 million. Et c'est les consultants, en fait, c'est l'écosystème. À 80%, ouais. Ah, c'est ouf. Ah, ouais. Comment tu fais pour passer à l'échelle, justement, et passer de 2 à potentiellement 33 ou une trentaine? Ça se fait au fur et à mesure. Ouais. Je pense pas que c'est quelque chose qui se calcule, mais... L'important, c'était de se dire comment faire pour que l'une puisse alimenter l'autre. En créant une ESN, très bien, je me suis dit, qui est au centre de l'ESN ? C'est le consultant. C'est pas forcément le client. C'est vraiment le consultant. Ce consultant, comment il peut se faire accompagner d'une autre manière ? Et donc là, on a créé une boîte de portage salarial. Parce qu'en fait, on a des consultants indépendants qui sont en freelance, qui n'ont pas le souhait de rentrer dans une ESN en tant que salarié, mais qui derrière aimerait avoir une rémunération importante tout en gardant les avantages de choisir leur propre client. Donc on s'est dit une boîte de portage salarial. Par la suite, on s'est rendu compte qu'on était sur des métiers en tension et que sur ces métiers en tension, en fait, on avait du mal à fournir les ressources à nos clients, aux clients finaux. Par exemple, BNP, Société Générale, qui sont à la recherche d'un développeur Java, qui était rare sur le marché. À ce moment-là, on s'est dit, ben, on va faire de l'introduction de ressortissants talents. On a été chercher dans certains pays qui fournissent des talents et qui sont des pays qui ne donnent pas autant d'opportunités. Par la suite, on s'est dit, aller chercher des talents, c'est bien, mais on a peut-être aussi d'autres talents dans nos quartiers ou dans la diversité en général, en campagne, qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir accès à l'information et à la formation. Donc à ce moment-là, on a créé un organisme de formation qui faisait essentiellement du reskilling, de la reconversion professionnelle. Donc là, on s'est dit, on tient quelque chose. Et tout ça, ça se nourrit au fur et à mesure parce que des fois, tu vois, tu n'arrives pas au bout d'un projet et tu penses déjà à la suite, mais est-ce que tu arrives au bout et là, tu dis, OK, il faut que je crée la suite, ou c'est une vision d'ensemble où tu dis, bah, en fait, je rajoute brique par brique et puis, en fait, je construis l'ensemble dès le début, tu vois. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'avec l'équipe, la fine équipe, on fait pas mal de séances d'intelligence collective. Pour certains cas, on est allé jusqu'au bout avant de se dire qu'on allait faire autre chose. Mmh. Et pour d'autres, l'opportunité était là. D'accord. Je pense qu'il y a un système d'opportunité qui est intéressant, c'est de se dire, en termes d'opportunité, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on, déjà, il y a des opportunités, oui, non.
Est-ce qu'ensuite on doit les saisir? Oui, non. Et est-ce que c'est bien le bon time to market? D'où l'importance d'une cellule chez nous qui fait énormément de d'études de marché, okay, qui fait des études de faisabilité. L'importance du growth. Ouais. L'importance du growth. L'importance de pouvoir recueillir les avis, ben, justement, de personnes qui seraient intéressées, de mettre en place des cellules de veille et l'importance de notre communauté. Parce qu'en fait, sans notre communauté, on n'est rien. Donc c'est à eux qu'on leur pose la question. Est-ce que vous serez intéressé par ce type de formation? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous manque? Voilà, on fonctionne beaucoup aujourd'hui beaucoup par recommandation. On sait très bien qu'un système de recommandation fonctionne mieux qu'un système de branding à la base, si le branding, celui-ci n'est pas mainstream. Et quand je parle de branding mainstream, c'est il faut d'abord établir une empreinte numérique avant d'établir de la crédibilité. Et la crédibilité s'établit par tes clients. Un client satisfait en parle à une personne, un client satisfait en parle à 5 personnes. Donc plus tu auras de clients, et je dis clients entre parenthèses, satisfaits, plus ton produit fonctionnera. Là, on a vu ton histoire, on a vu justement cette ambition-là. Si on peut préciser déjà, qu'est-ce que tu as envie d'apporter avec justement ce regroupement d'entités? Et c'est quoi ta vision à long terme, quoi? Je pense que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est bien, parce qu'il fallait le marquer, il fallait montrer qu'on était capable de le faire. Aujourd'hui, j'aspire à d'autres choses, notamment dans le domaine de l'industrie. Forcément... Donc là, tu veux passer de l'IT un peu. L'IT, il y a eu l'aventure Namix, dont on n'a pas forcément parlé, mais qui est une belle preuve. Et là, pour toi, c'est... Je pense que la suite logique, notamment en termes de management d'innovation, je pense que c'est beaucoup autour de l'industrie. Parce que dans l'industrie, c'est assez austère. Il y a énormément de choses à faire. Il y a le plan France 2030 qui donne des perspectives en termes de réindustrialisation au niveau de la France et en termes de politique d'innovation. Je pense qu'on peut s'appuyer dessus, pas uniquement au niveau des aspects financiers, parce que se mettre 54 milliards d'euros sur la table, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a tout un volet éducation, formation. Il y a tout un volet qui tourne autour de l'innovation, la transition énergétique et écologique, les fonds marins, la biotechnologie, tout ce qui va permettre de pouvoir améliorer les conditions de vie de l'humain. Et c'est des aspects sur lesquels j'aimerais travailler, apporter ma pierre à l'édifice. On a un certain nombre d'assets, on a un certain nombre d'éléments qu'on peut apporter qui vont permettre de pouvoir disrupter certaines industries. Est-ce que tu peux nous redire, peut-être pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est Namix? Namix, c'est la vision de deux fous. On commence toujours par deux fous. Deux fous. Souvent. Fawzi Anajah et Thomas de Lussac, dont je le rappelle, rien ne prédestinait à se rencontrer. Et c'est ça qui est fou. Et ça qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui est extraordinaire dans ce qu'on défend. C'est que tu as un jeune issu de la diversité qui vient d'un quartier plus ou moins sympa, hein. c'est pas le ghetto, Erani. La trentaine, enfin aujourd'hui la trentaine, mais à l'époque elle avait 26, 27 ans, même 25 ans, excusez-moi, jeune, passionné d'automobile. Ah, il connaît toutes les automobiles par cœur, mais pas que l'automobile, mais vraiment l'industrie automobile, donc un vrai sachant. Et Thomas de Lussac, comment le caractériser? Un créatif. Un créatif dans l'âme, en même temps commercial, un gros passif aux États-Unis, remporté énormément de concours, un créatif, 50, aujourd'hui je vais avoir 53, 54 ans, tu m'excuseras Thomas pour ton âge, d'aristocratie. Ok. Ouais, un aristocrate. Ah ouais, ok, ouais, là, je savais pas, tu vois. Ouais, okay. Effectivement, un aristocrate. Okay. Et deux visions qui se complémentent. Deux visions qui se complémentent. Et qui chamaille des fois un peu, okay, et qui en sort toujours les meilleurs. Je rencontre d'abord Fawzi, okay, qui finira par me présenter Thomas. Et je vois que le projet est fou, c'est devenir un constructeur automobile qui produit un véhicule électrique mais alimenté à l'hydrogène. Et là, je me dis, waouh,
Mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils... Ce qu'ils disent. De ce qu'ils disent. Ouais, parce que la première fois, j'ai entendu, t'en as parlé, pardon, t'en as parlé dans le podcast de Tanguy, t'as dit, mais il est fou, il est complètement fou. Bah, moi, quand Steve Moradel me le présente à Publicis et il m'en parle, il a à peine franchi le seuil de la porte, soit aussi, je dis, mais il est complètement fou. Je dis, mais attends... Mais... Ouais, bon, passons à autre chose. Et là, il me dit, Steve insiste, me dit, écoute, Ibrahim, non, il n'est pas complet, c'est pas aussi fou que ça. Franchement, son projet tient la route. Et comme Steve, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, ouais, je me dis, ok, bon, pourquoi pas. Et là, je suis de passer un coup de fil. On se voit une fois, deux fois, trois fois. Et puis, bah, après, il rentre dans mon quotidien, je rentre dans son quotidien. Et la belle aventure, et la belle aventure, quoi, deux ans. Et à ce moment-là, en fait, on structure les choses. Je pense que dans toute aventure entrepreneuriale, il y a toute une phase de structuration qui est la phase la plus importante. D'accord. Il y a la vision. Okay. Il y a la vision. Déjà la vision, aligner la vision, visualiser un résultat, le palper, le sentir, le toucher, et de se dire, ouais, on va y aller. Et après, l'autre étape, effectivement, c'est l'étape de la structuration. Ok, d'accord, il faut de l'argent, forcément, mais... Si on avait d'argent, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on le ferait? Avec quoi? Dans quelles conditions? Je pense que c'est quelque chose qui manque, tu vois. On parlait d'entrepreneuriat dans nos communautés et on parle beaucoup de vision, de ouais, il faut que tu sois d'ambition. Mais c'est vrai que la structuration, c'est un point clé. C'est un point clé, puisqu'en fait, la plupart d'entrepreneurs que je rencontre, quand ils me disent mais je ne sais pas faire, mais comment faire, je leur dis ben, première chose, quand tu commences à structurer une boîte, c'est la partie gestion administrative et financière. Il faut les aspects administratifs, c'est-à-dire être capable d'envoyer des contrats, être capable d'envoyer des factures, être capable de gérer les sous-traitants, les clients, les fournisseurs, les salariés. Donc, la base, c'est une personne dans le domaine administratif. Ensuite, la partie, selon l'industrie, jamais c'est l'IT, je dirais la comptabilité. Jamais c'est pas de l'IT, je dirais la partie corporate, la partie juridique. Les contrats, prendre un contrat sur Legal Start, le télécharger et se dire c'est bon, c'est parfait, ça va deux minutes. Mais il faut s'entourer d'experts capables de te faire des contrats sur mesure par rapport à ton domaine d'activité. Mais comment tu fais quand tu n'as pas le budget, quand tu viens de commencer? Est-ce que c'est cette partie-là, tu mets quand même la main à la poche et tu te dis ça vaut le coup de... Ça va dépendre de tes moyens, bien sûr. Si jamais tu as les moyens financiers, vaut mieux la payer. Si par contre, tu n'as pas les moyens financiers, à ce moment-là, vaut mieux s'entourer. Et s'entourer, aujourd'hui, BSA, BSPCE. Ton expertise, tu penses qu'elle est basée où? Je sais que c'est l'intelligence économique, ouais. Mais est-ce que c'est sur cette phase de structuration, justement, de maître d'œuvre, quoi, le gars qui pilote vraiment le passage à l'échelle? C'est ça. C'est dans le pilotage du passage à l'échelle, dans le pilotage de la croissance. Entre le moment où on se dit être une start-up et se dit on a une proposition de valeur qui est intéressante, et par rapport à une proposition de valeur, il faut qu'on aille prouver que ça fonctionne. Généralement, on fonctionne beaucoup en hypothèse. D'accord. Ta proposition de valeur est une hypothèse. Okay. Challengeable. Il faut la valider. Ah. Et si elle n'a pas été validée par les chiffres, c'est qu'il faut faire un pivot. Et donc, dès le départ, au niveau de la proposition de valeur, quelle qu'elle soit, j'établis déjà ce que moi j'appellerais des renforts de pivot. Donc, des hypothèses à partir de ta proposition de valeur. Ce qui fait que, selon les données que je vais récupérer, je saurai à quel moment il faut faire un pivot ou pas. Après, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'A-B testing. Beaucoup, beaucoup d'itérations. Beaucoup d'itérations. Parce que c'est la donnée qui parle, c'est le marché qui parle. Tu peux faire toutes les études de marché du monde, soit un produit, soit un secteur d'activité. À la fin, c'est le consommateur qui a raison. Le client. C'est le marché qui parle. Donc, très important de prendre en compte le marché et très important d'arriver au bon moment. Time to market. Go to market et time to market. Trop bien. Et donc là, comment tu comptes l'appliquer justement à un nouveau secteur, à un nouvel univers, même si tu l'as fait avec Namix au final. On peut peut-être aussi déjà en parler de cette aventure Namix, on n'a pas fini. Tu es arrivé... Deux ans, attends, Fawzi a commencé en 2017, moi je suis arrivé en 2020. Ouais, deux ans et demi, trois ans après le début de Namix, vraiment, en termes d'idéation. Je suis arrivé pour la partie levée de fonds.
À la base, c'était juste pour la partie levée de fonds. Et après, ben, ayant des compétences dans certains domaines d'activité stratégique, j'ai amené ma patte à l'édifice, notamment en termes de structuration, après de croissance. Et voilà, on a fait un travail concomitant. Et super intéressant. Je dis, on a fait, on continue à faire aujourd'hui dans d'autres mesures parce qu'on est beaucoup accompagné. Là, aujourd'hui, on a des cabinets de conseil internationaux qui nous suivent. On a des banques d'affaires internationales qui nous suivent. Ça me fait penser un peu à la vision d'un Elon Musk, tu vois, qui passe de tout cet univers IT, software, logiciel, et puis qui se dit, en fait, bah, ces compétences que j'ai acquis là dans la tech, je peux les apporter sur du physique, sur du hardware, sur de l'industrie, et être beaucoup plus performant, quoi. C'est exactement ça. J'irai pas jusqu'à dire être beaucoup plus performant parce que ça va être complémentaire, mais amener une perturbation. On va dire, des ingénieurs dans le domaine électromécanique, mécanique, il y en a plein qui sont hyper compétents. Quand tu leur apportes une vision qui est un petit peu autre, notamment en termes de méthodologie, que ce soit la méthode agile ou d'autres méthodes d'itération, là, tu apportes une description qu'ils n'avaient pas et forcément, tu crées de la valeur. Entre le chaos et l'ordre, il y a une fine couche d'innovation qui peut amener toujours beaucoup de valeur. C'est important de ramener de la valeur. C'est important parce que si on veut payer quelque chose, il faut ramener de la valeur. Si on veut créer des emplois, il faut ramener de la valeur. Et pourquoi cette envie toujours, tu vois, de créer de l'emploi parce que tu sais que c'est ce qui développe peut-être des conditions de vie, des... Ouais. De je suis né à Chantou-des-Vignes. Enfin, je suis né à Paris dans le 19e, 20e, pardon. Et j'ai vécu à Chantou-des-Vignes grande majeure partie de ma vie. On se rend compte que là où il y avait des problématiques dans certaines familles, c'est quand ça avait un manque d'emploi. C'est s'il y avait des jeunes, des amis qui ont dérivé, c'est peut-être parce que leurs parents, ou c'est même pas peut-être, j'ai vécu. Il y avait des parents qui avaient perdu leur emploi et qui étaient à la recherche de cette dignité parce que un emploi, c'est être digne, pouvoir lever la tête. Donc aujourd'hui, je me dis, si je peux contribuer de quelque manière que ce soit, de cette manière-là, bah, faut le faire. Donc ça me tient à cœur, parce que j'ai vu beaucoup de familles se déchirer par rapport à ça. Et c'est quelque chose, c'est une mission de vie, et c'est te connaissant, pour les personnes qui te connaissent, savent que tu mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et nous, sur cette émission, on fait le rapport entre sport, entrepreneuriat, et sur le bien-être, tu vois. Et toi, comment tu fais pour jongler entre les deux, justement, pour réussir à accomplir ta mission tout en prenant soin de toi, etc. Il y a une question qu'on pose beaucoup, c'est Ariane, elle le dit beaucoup, c'est qui prend soin du CEO? Parce que le CEO, il prend soin de tout le monde, mais qui prend soin de toi? Ma tenue de prouve aujourd'hui, c'est pas une tenue que j'ai achetée pour l'émission. C'est depuis quelques mois, c'est devenu ma tenue officielle. Un matin sur deux au minimum, je cours ou je marche. Voilà, ça me permet d'aérer la tête, d'aérer l'esprit. En toute honnêteté, j'ai fait un incident. C'est-à-dire qu'en fait, je n'en prenais pas conscience auparavant. Je voulais foncer. Jusqu'au jour où mon corps m'a dit stop. Et quand ton corps il dit stop, c'est violent. Moi, entre janvier et... janvier 2023 et mars, voire début du mois d'avril, je me rappelle de peu de choses. J'ai de gros trous de mémoire. Parce que trop dans le travail, trop intense. J'ai fait un AVC le 15 janvier. J'étais en famille. Je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Les personnes qui disent qu'ils s'y attendaient, c'est bizarre, mais je m'attendais pas. Et là, je me suis pris une claque parce que quelques jours d'hospitalisation, après, faut réapprendre à marcher. Tu réapprends ton quotidien. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? T'es énormément fatigué, t'es épuisé. Tu refais tout. Et après, tu refais un film dans ta tête. Tu dis, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et puis là, un gros travail sur moi, en me disant, plus jamais. Plus jamais. Et donc là, là tu te prends en main, tu te dis qu'est-ce qu'il te faut, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu prennes des moments pour toi.
surtout que ton but, c'est le long terme, c'est vraiment cette vision-là. Donc pour tenir sur, sur ce long terme, il faut pouvoir y aller, quoi. Et donc là, après, je suis coaché par mon frère. Okay. J'ai pas trop le choix. On a vu en off. T'as pas l'air de pouvoir dire quelque chose. 21 ans d'armée, c'est compliqué. Et là, tu penses avoir trouvé cet équilibre-là ? Je cherche. Ouais, tu cherches. Ouais. Je cherche. Ça va mieux. Il y a un équilibre qui se crée, mais je cherche. Dans la recherche constante d'un équilibre, c'est comme une personne qui me dirait j'ai trouvé le bonheur. C'est bien, moi j'y crois pas, moi je pense qu'on est toujours à la recherche du bonheur. Le bonheur varie selon les conditions dans lesquelles on est et l'environnement. Un bonheur, ça peut être un verre de thé dans un petit quartier à Casablanca, dédicace Youssef Koutari. Ça peut être, je sais pas, dans la Creuse, ouais, autour d'un bon repas de fromage, dédicace Tony Bayarja. Par exemple, dans le groupe, on a un groupe, une communauté qui s'appelle Café Crème. Cette communauté, quand j'ai quelqu'un qui, dans la communauté, dit « bah merci, j'ai trouvé un emploi », je suis heureux. Je me dis « waouh ». Et ça, en fait, je remercierai jamais assez mes équipes d'acharnés. C'est des acharnés. Certains peuvent être impressionnés par Ibrahima Sissoko. Moi, je suis impressionné par eux. Moi, c'est eux qui font tout le travail. Et l'accompagnement. Des fois, j'appelle un formateur, je lui dis ça va, tu vois bien, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il me dit j'ai rendez-vous à 2-3 personnes que je suis en train de coacher. On est samedi après-midi. Ouais. Elles sont dévouées, vraiment. Dévouées, le temps qu'ils donnent. Et j'ai une dernière question, on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est quoi être riche avant d'entreprendre? Riche avant d'entreprendre, c'est se fournir tous les outils qui vont te permettre d'être en capacité de faire. Parce que entreprendre, c'est une seule chose, c'est commencer à faire quelque chose. Et pour ça, il faut des outils. Et les outils, malheureusement, on ne les a pas. C'est comme si jamais tu allais cultiver un champ, sans pioche, sans tracteur, sans semences. Il faut se préparer, se conditionner. Et moi, j'ai une théorie. Ma théorie, c'est que je pense qu'il faut commencer par être salarié. Quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, directement, c'est très compliqué. Il peut vivre énormément de frustration. Moi, je pense qu'il faut commencer par acquérir une expertise, quel que soit le domaine. Donc, devenir salarié, apprendre à exécuter, à avoir une hiérarchie, à comprendre comment ça fonctionne, à bosser tout simplement. Par la suite, cette expertise-là, une fois qu'on l'a valorisée, la mettre sur le marché et la vendre pour pouvoir acquérir un réseau, apprendre à commercialiser, faire des factures. Voir ce que c'est que la TVA, c'est pas son argent. Plein de choses comme ça. Et une fois qu'on est prêt, qu'on sait vers quoi on veut œuvrer et qu'on a défini son why, sa raison d'être, le pourquoi d'une activité, commencer à ce moment-là seulement à entreprendre. Et là, en fait, ça va minimiser les dégâts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échec, mais là, on aura appris à se nourrir de ses échecs pour réussir. Pour moi, la théorie numéro un, c'est l'échec de l'échec amène à la réussite. Et donc, ne pas avoir peur d'échouer, parce que justement, il faut échouer pour réussir. Mais ça, si on ne te dit pas, tu prendras un échec comme un élément mauvais. Merci, Brahim, c'était top. On a merci. Plein de choses à se dire encore, mais, ouais. Mais j'espère, voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur tes valeurs, sur tout ce que tu apportes et te remercier. Merci à toi. Pour les auditeurs. Merci à toi, merci à vous, merci à tous. Et puis, longue vie. Longue vie. Yes.